L'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, a décidé vendredi 3 novembre 2017 de la suspension de son président, Lassana Palamfo. Ce dernier a été écarté par 47 voix contre 4 par les 51 membres des différents comités nationaux qui se sont réunis à Prague en République tchèque. Le dirigeant ivoirien est suspendu en attendant la décision du tribunal arbitral du sport dans le litige l'opposant au Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum depuis le mois de mai. Ce dernier avait été disqualifié de la dernière élection pour des raisons éthiques. Palamfo a des problèmes depuis plusieurs années. On lui reproche certaines malversations en ce qui concerne la gestion financière de l'ACNOA. Je crois que tout cela est rentré en ligne de compte pour qu'aujourd'hui il se retrouve dans cette situation. Quitte à le tribunal arbitral du sport, c'est un tribunal qui s'occupe des affaires sportives. Mais lorsque ça arrive au TAS et que le TAS tranche, il n'y a plus à revenir là-dessus. Les regards sont désormais tournés vers le tribunal arbitral du sport qui avait été saisi par Ahmad Kalkaba Malboum suite à la disqualification de sa candidature. Les comités olympiques continentaux ont donc décidé d'un retour aux urnes dans le cas d'une décision favorable au candidat camerounais. Dans le cas échéant, Lassana Palamfo retrouvera ses fonctions pour les 4 prochaines années. Palamfo, au fait, c'est un monsieur qui a une carrière politique, militaire aussi administrative. Il possède des moyens pour faire passer son désidérata. Heureusement qu'aujourd'hui, le TAS avisera par rapport donc à cette décision-là. On dit que le Cameroun a utilisé les moyens de l'État pour financer sa campagne aussi, qu'il a reçu un coup de main de la part de l'État camerounais. Pour moi, la question n'est pas là. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Pour moi, il y a beaucoup de conséquences, de leçons à tirer là-bas. Il était reproché au président du Comité national olympique et sportif camerounais, Ahmad Kalkaba Malboum, d'avoir bénéficié du soutien de son gouvernement dans sa campagne électorale. Ces accusations avaient été transmises à la commission d'éthique du Comité international olympique. Aujourd'hui, la présidence de l'ACNOA a été confiée à l'Algérien Mustapha Beraf, jusqu'alors premier vice-président de l'instance continentale.